Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça faisait un petit moment que j'avais pas fait ce style de vidéo, mais bon, elle va pas être très longue, hein. J'ai été raisonnable. Un petit haul action, voilà, c'est mercredi, je viens de revenir à la maison, c'est mercredi, il y avait les promos. Bon, et puis il me fallait des petites choses pour la maison, mais ça j'ai laissé en bas, hein. Mon WC net, mais tout ça, ça vous intéresse pas trop. Alors, ça va, ce que j'ai ramené, ça va me servir pour le tricot ou crochet, et pour la broderie. Voilà. Donc, ça va peut-être intéresser certaines d'entre vous. Tout de suite, le pourquoi je suis allée chez Action aujourd'hui, je vous montre. Alors, attendez, hein, je veux faire le suspense. Hop. Voilà. Voilà. Et ouais, deux big pelotes de laine. Enfin, de laine. C'est de l'acrylique. Hein. De toute façon, chez Action, c'est de l'acrylique. Mais, alors, elles font un kilo, je crois. Ouais, un kilo. C'est des auto-rayantes. Et donc, 100% polyester. Hein, mais bon. Et elle fait 970 mètres. On peut déjà faire quelque chose de bien avec ça. Quoi? Je n'en sais rien. Je n'ai aucune idée. Voilà. Alors, il n'y a que deux couleurs. Bleu pour les petits garçons et rose pour les petites filles. Alors, pourquoi pas peut-être faire des... Bon, moi, ce n'est pas le cas. J'ai plus de bébés dans la famille. Mais faire des couvertures bébés, ce serait nickel. Alors, je vous montre les couleurs du bleu. Voilà. Il y a un peu de vert dedans. Alors, est-ce que vous allez voir l'auto-rayant? C'est petit. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Voilà. Vous voyez ce que ça fait. Et la rose, que je trouve très belle. Les deux, hein, je les trouve très, très beaux. Voilà, donc, il y a du blanc, du rose pâle, du parme clair. Voilà. Trop belle. Alors, celle-là, voilà ce que ça fait. Hop, je vais le mettre à l'endroit. Non, je l'ai mis à l'envers. Oh, c'est pareil, on s'en fiche. Voilà. Autorayant. Alors, ça se tricote en aiguille numéro 7, au crochet en 6,5. Ça peut se laver à 30 degrés, mais bon, la machine, ils ne disent pas, mais bon, c'est une petite bassine. Quand c'est la bassine, je crois que c'est à la main. Pas de repassage. Et le sèche-linge, ils mettent avec un trait seulement, mais... Ah non, 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 c'est pas le sèche-linge, excusez-moi. C'est séchage à plat. Voilà. Et alors... Là, pour lire le... Ah, je ne peux pas. Pour lire le... Ah, le petit carré qu'on fait, l'échantillon. 13 mailles sur... ...16 cm. Pour un 10-10. Non, il y a un truc... Ah non, 16 rangs. Alors. Ouais, ça... Non, c'est 13 mailles, je crois, sur 16 rangs. Mais bon, c'est tellement écrit petit, là, que je ne saurais pas vous dire plus. Donc, vous voyez, je vous montre l'épaisseur. Voilà, avec la... Voilà. Donc, je ne sais pas ce que je vais en faire. Bon, couverture, peut-être pas, puisque je suis en train d'en faire une. Hein, on ne va pas faire une collection de couvertures. J'ai peut-être bien envie de me faire une veste, en style granny ou quelque chose dans ce genre-là. Mais je ferai pas des, je pense pas que je ferai des carrés par carré, je sais rien, je verrai. Ou alors, faire une veste au crochet, mais en continu. En bride ou en point granny quand même, ou je sais pas. Je vais voir. Si vous avez des idées, bah dites-le moi.
Hein, je suis preneuse, que ce soit au crochet, enfin peut-être prioritairement au crochet, mais dites-moi ce que vous feriez avec ça, à part des couvertures, bien sûr. Donc là, il y a 1 kilo, 970 mètres, je crois que j'ai de quoi faire pour faire une belle veste, quand même. Mais bon, dites-moi. On va les mettre sur le côté, parce que ça prend de la place. Le prix. Alors, ces pelotes sont donc en promotion à partir d'aujourd'hui jusqu'à mardi soir. Et elles sont au prix de 8,49 €. Voilà. Il n'y a pas d'autres couleurs. Hein. Enfin, dans mon action, ils n'ont eu que ces deux couleurs-là. Ensuite, dans les promos encore. Alors, je l'ai pris, c'est pour mes broderies, parce que il y a longtemps que je ne fais plus de bijoux. Alors, je cherche d'abord le prix. Ouais, ils m'ont mis où? Ils m'ont mis où le prix? Elle me l'a compté au moins? Parce qu'elle ne me l'a pas compté. Ah, si, le voilà. Alors, c'est 3,22 € et il y a 18 couleurs et 20 grammes de chaque. Voilà. Alors, on va essayer de pas trop retourner pour pas que ça se mélange. Voilà, ce sont des perles de rocaille. Alors, niveau couleur, ça va, ça bouge pas, ça bouge pas, ça bouge pas. Non, ça ne bouge pas, ça va. Ah, vous allez me voir dedans. Voilà les couleurs. Du blanc, du noir, deux sortes de marron, un violet, un vert clair, un violet, trois sortes de rose là, trois sortes de bleu, un vert foncé, un jaune, deux oranges, un rouge, voilà, et un blanc. Donc voilà. Donc, il y a 18 couleurs et dans chaque couleur, il y a plus ou moins 20 grammes. Voilà. Donc, en nombre de perles, par contre, ils ne le disent pas. Mais bon, je pense que c'est quand même plus de 1000 perles par couleur. Voilà. Donc, ça, ce sera pour mes broderies quand j'ai besoin de broder avec des perles. C'est super chouette. Donc 3,22 €. Ensuite, là, c'était pas dans les promos, c'était dans la papeterie. Je voulais acheter, vous savez, les pochettes où il y a plein de pochettes dedans, là, qu'on peut glisser nos documents. Et puis, j'ai vu un classeur, donc c'est classeur d'école, hein, et il n'y avait plus que celui-là dans ce dessin-là. Et je me suis dit, tiens. En broderie, j'ai deux trousses comme ça. Donc, j'ai pris le classeur. Voilà. Donc, j'ai la trousse exactement pareille. Et j'ai une trousse de toilette que je me sers pour le tricot, pour mettre tous mes aiguilles circulaires, mes petites, qui est exactement le même dessin aussi. Donc, j'ai pris ça et j'ai repris. Je ne savais plus si j'en avais donc des pochettes. Vous savez? Voilà, les pochettes de classeur. Hein. J'ai pris les moins chères. Hein, 99 centimes. Même pas 49 centimes. Et vous en avez 25. Donc, c'est bon. Et le classeur en lui-même. Alors, voilà comment il est. Attendez, je vais enlever le papier qu'ils ont mis. Voilà. C'est un deux anneaux. Tout simple. Alors, ce classeur, il est à 1,49 €. Et vous allez dire, ben, pourquoi faire? Ben, il va me servir à mettre, à garder mes patrons de broderie terminés. Voilà. Comme ça, je vais toutes les ranger dedans. Puisque je ne veux pas les jeter, je vais les ranger dedans. Et puis, voilà. Donc, ça, c'est fait. Et ici, alors vous allez dire, la fille est folle. Mais il y a une raison. Mais j'ai pas eu mon compte. J'en voulais 11, j'en ai eu 7. Et j'ai demandé s'il y allait en ravoir parce que je veux absolument les mêmes. Et elle m'a dit oui, ils sont dans le camion qui est en train d'arriver.
fais, bon, ben, tu repasseras demain ou après-demain. Hein. Ce sera si simple. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est, voilà, des cadres. Alors, c'est les plus petits en carré, les plus petits qui existent chez Action. Malheureusement, qu'il n'y a pas le modèle encore en dessous, c'est dommage, mais bon. C'est des 18 sur 18 cm. La vitre est en vitre, c'est pas du plexi. Vous pouvez soit le poser sur votre meuble ou... alors, j'ai un crochet normalement dedans. Oh, j'ai pas mon crochet sur celui-là. Ah, il manque un crochet. Mince. Ah bah oui. À moins qu'il soit tombé dedans, qu'il soit glissé, je regarderai. Voilà. Ou vous avez un petit crochet pour l'accrocher au mur. On me dirait, c'est rien, si vraiment il n'est pas dedans. Comment? Ou je le ramènerai demain pour en reprendre un avec le crochet. J'ai des petits crochets pour mettre au mur les cadres. Donc, voilà. Alors ça, c'est pour... Alors, pourquoi j'en ai besoin de 12? J'en ai déjà un qui où j'ai encadré ma broderie, voilà. C'est pour mettre les broderies des fleurs du mois, voilà. Je suis en train de regarder du coup. Est-ce que non, celle-là j'ai le crochet. Ah, celle-là il n'y est pas non plus. Ah mince, 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 mince. Là il y est. Et là, il y est. Donc, j'en ai deux où il n'y a pas le crochet. Bon, j'essaierai de les échanger demain. Parce que, ben, les poser, j'ai pas la place. Donc, oui, donc, je vous disais, c'était pour encadrer mes fleurs du mois. Alors, est-ce que j'ai celle-là? Oui. Bon, ça va, il m'en reste. Parce que j'ai oublié de me racheter... Il y a là, toi. Voilà. J'ai oublié de me racheter. C'est un bloc comme ça. Mais du coup, il faudra que je regarde si j'ai assez de feuilles. Là, j'en ai déjà une, deux, trois, quatre, cinq. Oh, j'ai peut-être assez. J'ai peut-être pas besoin d'en racheter. Parce que je fais les passe-partout avec cette couleur-là pour ces broderies-là. Voilà. Donc là, j'en ai 5 et je crois que j'ai encore 2. Je vais avoir un ou deux blocs en bas. Donc ouais, je pense que j'aurais assez. J'aurais peut-être pas besoin d'en racheter. Voilà. Économie, économie. Voilà. Donc, je vais vous mettre la photo de la première fleur que j'ai faite. Donc ce mois-ci, la fleur de septembre. Et là, elle est encadrée. Comme ça, vous voyez ce que ça donne. Alors, ces petits cadres, ils sont pas chers. Ils sont à 1,22€. Donc, voilà. C'est tout ce que j'ai acheté. Oui, à part, après, il y a des boxers pour chouchou qui sont en promo aussi. Et puis, du produit produit de toilette ou de ménage pour la maison. Voilà. Mais ça, je ne vous les montre pas. Ce n'est pas du tout intéressant. Et du papier toilette. Voilà. Bon, ben, je voulais vous montrer ça. Dites-moi, alors, qu'est-ce que vous feriez avec ces big pelotes de laine? D'ailleurs, elle s'appelle Special Gigantix Cake. Cake gigantesque. Voilà. Ça porte bien son nom. Mais elle est douce, hein. C'est du polyester, mais elle est vraiment douce. Donc voilà, bah dites-moi ce que vous feriez avec. Et puis si vous avez des modèles, passez-les moi, pourquoi pas. Je vous dis, ça se fait au crochet en 6,5 ou en aiguille 7. Si vous avez des trucs tout simples, hein, j'ai pas du zéro cerveau, hein, du truc où il ne faut pas réfléchir. Pas d'aiguille circulaire, s'il vous plaît. Si vous avez des modèles, ben n'hésitez pas. Soit vous me les envoyez par mon email qui est en dessous,
Ou alors, si vous savez me mettre un lien dans votre commentaire, ou alors sur Messenger, sur Facebook. Voilà, pour celles qui l'ont. Voilà, bah, j'espère que cette petite vidéo qui aura duré quoi, un quart d'heure, 20 minutes, vous aura plu. Dites-moi si vous allez acheter ces pelotes de laine, voilà, enfin de laine, ces fils acryliques, puisque c'est pas de la laine, hein, appelons un chat, voilà. Ça ferait une belle vignette, ça, non? Ça. Dites-moi si vous allez les acheter, si ça vous intéresse, si ça vous intéresse pas, si... Allez-y, lâchez-vous dans les commentaires. Au passage, des petits pouces, ça fait toujours plaisir et ça fait connaître la chaîne. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, ben, vous attendez quoi? Allez-y, abonnez-vous, ça se passe en dessous. S'abonner, appuyez sur la petite cloche noire pour recevoir toutes les notifications, toutes les vidéos. Et si vous êtes nouveau, je vous souhaite la bienvenue. Voilà. Allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.